Zofrakata libra sekete libra sende. Zokata labra sondo libra sekata la masokete libra gadia. Lemba shando libra sakata labra gadia. Zebra sondo libra sakata labra gado. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, sakata. Zekata. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lema shana la bragadia. Soyez tous les bienvenus dans la maison de l'Éternel ce matin. Hallelujah. Amen. Les bragadas. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année 2023. Un dimanche que vous ne reverrez plus jamais. Alléluia. Amen. Un dimanche qui est en train de passer déjà. Un dimanche que l'Éternel a préparé pour bénir son peuple. Un dimanche au cours duquel le Seigneur veut accomplir les miracles de la dernière minute. Alléluia. Amen. Un dimanche au cours duquel le Seigneur va surprendre quelqu'un. Alléluia. Amen. Un dimanche au cours duquel le Seigneur va essuyer les larmes de quelqu'un. Amen. Un dimanche au cours duquel le Seigneur va réjouir le cœur d'un malheureux. Amen. Le dimanche que le Seigneur a réservé pour surprendre vos ennemis, pour vous surprendre de façon très agréable. Alléluia. Un dimanche qui ne sera pas comme les autres. C'est pourquoi il déclare rapidement dans Psaume 103. Psaume 103 à partir de verset 1. Alléluia. Psaume 103 à partir de verset 1. Il dit: mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Oh, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. C'est lui qui te rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit c'est lui qui te rajeunit comme l'aigle. Amen. C'est lui qui te rassasie de bien. C'est lui qui te délivre. C'est lui qui accomplit de grands miracles dans ta vie. Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas l'adorer ce matin? Vos musiques, balancez-nous dans une chanson. Alléluia. Les bras au kata la bragadia. Ta fidélité est grande. Fidélité, Robo Sakata la bragade, est comparable. Nul comme toi, ô Seigneur. Grande ta fidélité, ta fidélité. Merci pour sa fidélité, pour les bienfaits, les miracles, les guérisons, les délivrances qu'il accomplit dans ta vie durant cette semaine, durant cette année 2023. Élève ta voix et remercie-le pour ses bienfaits. Élève ta voix,
remercie Dieu pour sa miséricorde, pour sa bonté, sa faveur qu'il a accordé à ta famille, qu'il t'a accordé, qu'il a accordé à tes bien-aimés, la préservation, la protection, les grandes choses qu'il a accomplies. Élève ta voix maintenant, mon frère, ma soeur, remercie-le ce matin. N'oublie aucun de ses bienfaits pour ta vie, n'oublie aucun de ses bienfaits pour ta famille, n'oublie aucun de ses bienfaits au milieu de nous, les élus du Christ. Élève la voix là-bas, chacata la blagadia. Oh Dieu, mon Père, nous te louons, nous te célébrons ce matin. Reçois l'honneur et la gloire. Oh Dieu, le seul vrai Dieu. Adieu de toi, il y a beaucoup autre Dieu. Qui a accompli de grandes choses. Qui a fait des choses merveilleuses. Les merveilles sont nombreux au milieu de nous. Nous te louons, nous te célébrons. Nous te louons, nous te célébrons, Seigneur. Oh, reçois la louange. Reçois l'adoration. Reçois la magnificence. Oh, ramasse à Kata la bagarre. Ma soeur, lui qui a préservé son église, il dit je bâtirai mon église et les portes du ciel du monde ne prévaudront pas contre elle. Amen. Il va élever la voix, il a dit mon Dieu, mon Père, mon Dieu, mon Père, je te loue, je te remercie pour la vie de cette église des élus du Christ, pour la vie de cette église, merci pour la préservation, merci pour la, merci pour la protection, merci pour la protection contre les projets de Satan, contre les portes du séjour des morts. Reçois honneur et gloire, élève la voix et prie, mon Dieu, ma soeur, élève la voix et prie. Quand Étienne a campé dans les murs, il a préservé l'église des yeux du Christ et ses membres. Il a protégé les paroles de cette église. Élevez la voix et glorifiez durant l'année qui vient vers toi. Nous sommes sains et saufs. Nous sommes sains et saufs. Il nous a préservés. Il nous a protégés. Que quelqu'un le glorifie ce matin. Que quelqu'un le loue ce matin. Pour la vie de cette église. Pour la vie de tous les élus du Christ. Pour la vie de tous les membres. Merci pour ce que tu as fait de grandes choses. Tu as payé sur nous. Il a payé sur ton église. Il n'a pas perdu ce que les portes du séjour de mort nous ramassent. A pouvoir ressort honneur et gloire. Le Dieu d'avant, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Isaac. Je te loue, je te glorifie. Tu es le Père de notre Seigneur Jésus. Tu es le Père de la prière. Tu es le Père de cette église. Nous te louons, nous te célébrons. Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu va encore élever la voix ce matin. Parce que la Bible déclare dans le livre de Éphésiens 2, Éphésiens 2, le verset. Lisons le verset 7. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Par le moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de vous. Yes. C'est le don de Dieu. Alléluia. C'est le don de Dieu. Alléluia. Donc nous allons encore le remercier pour la grâce, pour le don qu'il nous a accordé, le don qu'il a utilisé pour nous sauver, la grâce qu'il a mis à notre disposition dans cette année 2023. Ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par sa grâce. Et moi, je dis, mon Dieu, mon Père, ce matin, je te glorifie pour la grâce que tu as utilisée pour me sauver, pour me délivrer, pour me protéger. Je te loue pour cette grâce. Je te glorifie pour cette grâce. Élève la voix, prie, ma soeur. Élève la voix, prie, ma soeur. La grâce de Dieu t'a sauvé. La grâce de Dieu t'a délivré. La
Ephésiens 1:7 dit, il dit en lui, nous avons la rédemption par le sang. Amen. Il dit en lui, nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Donc, ce matin, la Bible dit, nous avons déjà le pardon du péché par le sang de l'agneau, la rémission de tous nos péchés. Donc, tu n'as plus à t'inquiéter. Alléluia. Amen. Le péché ne peut plus déterminé. Parce que Romains 6:14 dit la puissance, le péché n'aura plus de puissance sur nous. Et pourquoi tu as dit mon Dieu, mon Père, à partir de ce matin, par le sang de l'agneau, je me délivre de la puissance du péché. De la puissance du péché personnel, de la puissance du péché collectif, de la puissance du péché collectif, et l'état imprimé, engage le sang de Jésus. Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible déclare, dans Actes 1:8, il dit, attendez à Jérusalem et vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Quand le Saint-Esprit descend, il dépose quelque chose qu'on appelle puissance. Yes. Donc ce matin, tu veux finir l'année là dans la puissance, tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Comme tu veux finir l'année là dans la puissance, tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous allons élever la voix. Parce qu'il y a des forces sataniques qui sont renouvelées dans nos familles. Les hôtels sataniques sont renouvelés. Les puissances des ténèbres sont relâchées dans ce monde. Elles veulent accomplir leur projet avant la nuit de ce jour. Alléluia. Donc toi, si tu dois déployer ta puissance, la puissance qui est en toi, la puissance du Saint-Esprit, c'est pourquoi tu vas élever la voix. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père. Comme les attaques de ténèbres, comme les attaques de la famille,
Christ Jésus, nous avons prié. La Bible déclare dans Apocalypse 2, verset 11, que nous avons vécu l'ennemi par le sang de l'agneau. Nous avons vécu quoi? L'ennemi. Qui est ton ennemi? Ton ennemi peut être une maladie ce matin. Ton ennemi peut être la douleur là que tu traverses. Ton ennemi peut être les démons de la famille là. Peut être l'homme méchant là qui veut te tuer à ma temps. Je ne connais pas ton ennemi, toi seul tu le connais. Tu sais ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans ta vie. C'est ton ennemi ça. Et pourquoi tu vas élever la voix ce matin? Comme il est écrit que nous avons vaincu l'ennemi par le sang de l'agneau. Va dire, mon Dieu, mon Père, ce matin, j'engage le sang de Jésus contre tout ennemi dans ma vie, tout démon, tout esprit de famille, toute maladie, toute malédiction, tout mauvais sort qui travaille contre ma destinée, tout homme méchant qui veut me tuer avant mon temps, à partir de ce matin, par le sang de Jésus, cet ennemi est paralysé, cet ennemi est détruit, il est anéanti complètement par le sang de l'agneau. Et l'état fait prie, mon frère, ma soeur, et l'état voir, le sang est disponible ce matin. Que quelqu'un prie, que quelqu'un prie chaudement, rabakatakata, et que j'encage le sang, que j'encage le sang, que le sang le couvre et que le sang détruise tout ennemi qui se lève contre ton église, contre l'église des élus de Christ, contre ses membres dans cette période de fin d'année, dans ce jour-ci, par le sang de Jésus, je les paralyse, les esprits de famille, les auteurs sataniques, les esprits de l'église qui attaquent les élus de Christ, et le sauveur, par le sang, je les paralyse. Tu fais de tout ennemi de ma vie, tout ce qui est contre à ta volonté dans ma vie, dans cette église. Dans ma maison, dans ma vie, dans ma vie, de mes enfants, par le sang de Jésus, je les paralyse, je les paralyse, je les paralyse, je les paralyse, et je vais la mourir. Engageons le sang, 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 le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de la vie, le sang de paralyse, le sang de tristesse, le sang de tristesse, le sang de tristesse, le sang de tristesse, le sang de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Nous allons encore prier. La machine de Lima, il est écrit dans Isaïe 54, verset 17. Isaïe 54, verset, qu'est-ce que la parole déclare? Il dit, tout temps forgé contre toi sera sans effet. Et tout la qui sera agi contre toi, tu la condamneras. Alléluia. Quelles sont les âmes forgées contre toi? Les âmes là, ça peut être la mort prématurée. Ça peut être une honte, une destruction. Ça peut être un malheur, un problème. Mais Dieu dit, l'âme là ne réussira pas contre toi. Mais pourquoi tu vas élever la voix ce matin? Toutes les âmes qui tuent les gens dans vos familles ne vont pas te tuer. Mais dis-moi, Dieu, mon Père, à partir de ce matin, je demande le feu du Saint-Esprit sur toutes les âmes sataniques, les âmes que l'ennemi utilise pour me détruire, pour me tuer. Ce matin, par le feu du Saint-Esprit, les âmes sont consumées. Les armes qui sont des accusations, qui sont des problèmes, des maladies, des accidents, au nom de tes malheurs, au nom de Seigneur, le feu du Saint-Esprit, ils sont consumés. Les armes sataniques, les armes que Satan utilise, les armes que les hommes méchants utilisent, que les sorciers utilisent, que les satanistes utilisent, contre ma vie, contre ma famille, contre l'église des élus de ses membres, contre mon Dieu, mon Père, contre le Dieu du feu, l'éternel du feu dévorant, le demain que tu tiennes, avec ton feu dévorant, que tu les ramasses, que tu les consumes, que tu les anéantisses, et que ta vie soit libérée, que l'église des élus soit libérée, que ton peuple soit libéré ce matin, que les âmes ne prospèrent pas contre nous, que les âmes soient consumées, les âmes sataniques, les âmes démoniaques, contre ton peuple soit consumé ce matin, dans la prison de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Yes. Prie comme tu n'as jamais prié. Oh, yes. Alléluia. Parce que nous sommes au dernier jour, c'est le dernier moment. Il y a quelque chose que tu espères qui n'est pas d'accord à comprendre. Parce qu'il y a une main puissante qui fait reculer ce que tu espères. Alléluia. Amen. Donc tu dois combattre. J'ai entendu mon père spirituel dire, il dit, tu ne deviens pas champion
sans avoir combattu. Yes. Alléluia. Amen. Tu veux devenir champion. Tu veux devenir le numéro un de ta génération. Yeah. Tu as besoin de combattre. Amen. David, vous voyez comment il a combattu. Alléluia. Alléluia. Il a traversé des vents et marins avant de devenir champion d'Israël. Yes. Tu as besoin de combattre. C'est pourquoi nous allons encore prier. La Bible déclare, Nombre 23, 23, l'enchantement, la divination ne pourra rien contre Jacob. Yes. Ah, amen. Amen. Il dit, l'enchantement ne pourra rien contre Jacob, ni la divination. Yes. Alléluia. Amen. Enchantement, yinuka, etodouama, besa, choka, mauvais sort. Alléluia. Amen. Et divination, yinuka, afan kaka. Alléluia. Amen. Afan moko bona jiruku manama, wak blonya beglode, oyomeno. Biblabema di nutiho. Biblabema otakure nutiho. Et mi ato de kabunye adjewensa. Sorcellerie, alléluia. Obo omadu jiho. Otoko nyibe na doya na kubata. Otoko nyibe o prodam na nojo. Otoko nyibe na noya de doma. Mais ma Bible me dit que l'enchantement ne pourra rien contre Jacob, ni la divination. Il dit ne laissez pas la sorcière vivre. Ne laissez pas la magicienne vivre. Oh, il dit tue l'esprit de sorcellerie. Le roi d'Isabelle a été tué. Alléluia. Le roi, nous allons prier ce matin. Là, dit, mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Tout esprit d'enchantement. Tout esprit d'enchantement. De divination. De divination. De sorcellerie. De sorcellerie. Lancé contre ma vie. Lancé contre ma vie. Lancé contre notre famille. Lancé contre ma famille. Lancé contre l'église des élus du Christ. Lancé contre les membres. Et ses membres. À partir d'aujourd'hui. Que le feu du Saint-Esprit les consume. Que le feu les détruise. Que le feu les anéantisse. Et que nous soyons libérés. Que nous soyons libérés. Élevez la voix, priez. Élevez la voix, priez. L'enchantement. Lancé contre ta vie. La divination. Lancé contre ta vie. La sorcellerie, envoyez contre toi, les mauvais sorts, les cliquis, les abusements, qu'on travaille contre toi. Ce matin, dans le feu du Saint-Esprit, ils sont consumés, ils sont anéantis. Tu n'es plus abusé, l'abusement est anéanti, la sorcellerie est anéanti, la sorcellerie est anéanti, la divination est anéanti. Les deux, tous ceux qui se lèvent dans ton église, qui envoient des enchantements, qui envoient des divinations, la sorcellerie, comme ce peuple, comme les élus du Christ. Vous ne mourrez pas à cause de ces enchantements. Jamais. La sorcellerie ne vous tuera pas. Amen. La divination ne vous tuera pas. Amen. Vous vivrez, vous racontez les grands hommes de l'éternel. Amen. En nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore utiliser le sang pour neutraliser tout effet d'autel satanique. Tout effet d'alliance maléfique renouvelée en cette fin d'année dans ta famille. Contre vous, contre toi, contre ta petite famille ici, nous allons utiliser le sang. Alléluia. Amen. Pour les neutraliser. Alléluia. Le roi dit, mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Ce matin. Par le sang de Jésus. Par le sang de je Jésus. Je neutralise. Les puissances. Les effets. Les hôtels sataniques. Les alliances maléfiques. Renouvelez contre ma vie. Contre ma famille. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je les détruis. Je les détruis. Toutes les maladies posées, le sang est détruit ce matin. La maladie de ton corps, le sang est détruit ce matin. La maladie, la malédiction causée par ces hôtels sataniques, le sang de Jésus est détruit. Le sang est anéanti. Et tu es libéré au nom de Jésus. Alléluia. Le marchata la bragadia. Est-ce que quelqu'un prie? Yes. J'ai senti dans mon esprit quand je me touchais ce matin. Et l'esprit dit, prie un peu avec mon peuple.
car je veux les libérer avant qu'ils n'entrent dans 2024. Alléluia. Vous voyez, il y a un ennemi qu'on appelle Haman. La Bible dit, du 1er janvier au 31 décembre, il versait le sang par terre contre Israël. Il dit, je dois tuer tous les Juifs avant que je ne me repose. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes sur la tournée. Sur la tournée, les Juifs ont-ils les titres de roi ou les yakes? Et donc sur la tournée, les Juifs ont-ils les titres de quoi? Les yakes. Yes. Bible avait un gars. Que tes ennemis rendent compte qu'ils tombent dans le piège, qu'ils tombent dans les trous qu'ils ont creusés pour toi, et que tu ramasses leurs richesses. Pourquoi tu vas prier ce matin? Yes. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, tu ramènes dans ma vie, qui s'est tapé la poitrine, et qui dit, aussi longtemps que je ne meurs pas, il ne va pas se reposer. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit. Tu ne seras pas leur proie. Amen. Parce que ma Bible m'a dit qu'ils mangeront leur propre chair. Oh, yes. Et ils s'enivreront de leur sang. Alléluia. Là où ils font des sacrifices, là, ce matin nous allons envoyer le feu. Yes. Le feu va les consumer. Amen. Et eux-mêmes, ils seront des poulets rôtis. Là. Ils vont manger leur chair. Ils vont s'enivrer de leur sang. Alors Dieu dit, mon Dieu, mon Père. À partir de ce matin. Tout clou enfoncé contre moi. Par le feu du Saint-Esprit. Que le clou soit défoncé. Personne ne vous tuera prématurément. Alléluia. Vous vivrez, vous mangerez toutes les richesses de Dieu au nom Amen. De Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit. Il dit, j'ai fait des prédictions il y a longtemps, dès le commencement. Elles ne se sont pas encore accomplies. Mais soudainement, je me lève, j'agis. Amen. Soudainement, et elles se sont accomplies. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Quelles sont les promesses? Quelles sont les prophéties? Quelles sont tes espérances dans cette année 2023 qui ne se sont pas encore accomplies? C'est le moment de prier. Alléluia. Parce que nous sommes au dernier jour. Yes. Dieu peut faire encore. Il va faire encore. Alléluia. Il va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles.
Dieu va faire. Dieu peut faire encore le miracle à la dernière seconde. Amen. Et pourquoi tu veux élever la voix ce matin? Mon Dieu, mon Père. Tous les miracles qui sont retardés dans ma vie. Toutes les promesses qui sont retardées dans ma vie. Toutes les prophéties qui sont restées inaccomplies. Je ne suis pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche déclare, ses mains l'accomplissent. Amen. Certainement. Alléluia. Amen. Maintenant, je te donne 2 minutes. Tu as quelque chose à demander, que tu demandes, qui n'est pas encore accompli. Prie maintenant. Alléluia. Parle à ton Père. Tu es devant le trône de grâce pour obtenir faveur. Dis Seigneur, je suis devant le trône de grâce. Je suis devant l'autel de prière ce matin. Relâche ce que je te demande. Appelle le nom de la chose. Qu'est-ce que tu veux que Dieu accomplisse et qui n'est pas encore arrivé? Prie maintenant, mon frère, ma soeur. Prie, demande à Dieu. Il est capable. Il va le faire. Au-delà même de ton imagination, au-delà de ton espérance, ce que tu ne lui as même pas demandé, il va le faire. Si tu peux seulement croire, demande-lui tout ce que tu veux. Il est le Dieu de bonté. Il fait des cadeaux à ses enfants. À cette fin d'année 2023, il est présent de nous. Il veut te faire du bien. Il veut te donner un cadeau. Il veut réjouir ton cœur. Il veut te rendre heureux. Demande-lui qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. Rabakata la bagaria. Requête tes cadeaux. Seigneur, aie pitié de ton peuple. Exerce ta miséricorde de nous. Et accorde les désirs de chacun. Satisfait les désirs de chacun. Réponds aux prières de chacun. Réponds aux prières de chacun pour que ton peuple te loue à la fin de cette journée. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci parce que c'est accordé. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Que le peuple dise un bon amen. Amen. Un amen qui déchire le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a reçu ce qu'il a demandé? Alléluia. Qui a reçu ce qu'il a demandé? Alléluia. Sois heureux parce que ton Dieu ne ment pas. Il n'est pas un père avare. Il donne toujours quand ses enfants demandent. Amen. Sois heureux. Amen. Avant minuit, tu vas m'appeler pour un témoignage. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ce matin, on va être sharp. Le groupe musical va être sharp. Et je vais revenir pour le message sharp. Et on va finir sharp. Amen. Les gens ne veulent pas que tu sois sharp. Amen. Alléluia. Donc là, rapidement, nous allons faire sortir nos offrandes et les dîmes que nous allons présenter à Dieu. On va aller sharp. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Saint-Esprit, merci parce que ce que tu m'as demandé est accompli. Zekata la bragadia. Ce que tu m'as demandé de faire, c'est fait. Seigneur, voici ton peuple qui est là ce matin avec les offrandes. Je prie et je déclare que ces offrandes sont sanctifiées. Je prie et je déclare que ces offrandes sont acceptées devant ton trône, Seigneur. Que ces offrandes, Seigneur, dégagent de bon odeur jusqu'à tes narines. Et que le peuple la soit richement béni. Au nom puissant de Jésus. Je prie en même temps sur toutes les dîmes, Seigneur. Par cette dîme, ouvre les portes des cieux sur ton peuple. Ouvre les écluses des cieux. Dont la première et la dernière pluie. Que ce peuple vive dorénavant dans l'abondance. Plus de manque, plus de pauvreté. Au nom puissant de Jésus. Papa, merci parce que c'est accompli. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, nous allons louer le Seigneur. Danser comme David est venu offrir, louer comme, ou bien pour lui dire ce qu'il t'a fait dans cette année 2023. Alléluia. Loue-le seulement. Groupe musical, nous sommes à vous. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Amen. Alléluia.
Oh, alléluia. Amen. Ma oubiom le roi mère. Alléluia. Et Jim le jomere ndekea. Ah, oui, Jine jomie. Ah, oui, Jine jomie. Et là, on nous veut venir avec mes égbélo. Amen. Alléluia. Amen. Mia titene, mia kafu, mia be mau. Amen. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Amen. Nous veut, amen, nous veut, amen. Amen. Mais de la dak, pena mia be mau. Et la benane n'y bak plus au migale bak, beoba n'y bak diam, mian tom yabe nous seo. Amen. Amen. Donc à toi, j'ai dit, plaît, ou doux, mais. Amen. Et de la dak, benne maoule, et bébé, keke aji. Non, la m'la n'y toche, m'la n'y d'an y ban. Non, la tipo ya yame, chantipo ya yame. Amen. Non, la jarabwa, jarabwa, l'indeke ya. Alléluia. Amen. Kanyenye, nyamawu. Eye wo jebe na mia subwe Ebe nu bla nu kokota Wasi nu do wo wakafui Kayenye mia mawu Eye wo jebe na mia subwe Ebe nu bla nu kokota Wasi nu do wo wakafui Oh,
Oh, yeah.
nyalo awo wo nyalo nyalo awo nyanyade penya amen wo nyanyade penya lo amen yesu wo nyanyade penya amen wo nyanyade penya lo amen awo nyanyade penya amen wo nyanyade penya lo Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ebe nya 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 tepe nya nya tepe. Amen. Alléluia. Amen. Eke mane o kane jibe na ebe nya 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 tepe van van. Nkane jibe ma ou blan nyare na o le nya wada si sincere. Alléluia. La Bible dit quand l'Éternel ramena les captifs de Zion, ils étaient tous comme ils faisaient des rêves. Mais quand la parole s'accomplissait, alors, ils ont vu la grandeur Amen. De Dieu. Alléluia. Maula libéré mi king bohoe milado 2024 mais si valait que be sonya na ibe dola nene. Alléluia. Amen. Do asi viare jilende kenya ne anokwere kagbo. Mu enyake amole blam le vevero vanyake ma uya gnona wa ele vevere. Le enyawara si se sere. Alléluia. Reçois l'adoration ce matin, Seigneur. Mie va ben mia soubol en dekenya. Do enusio o wanami papa. Ela be obe mina mia wo akbetol e mia pe nononme eye badimi. Ne basubo. Ma ube taruji nyine ben ko akbetol ne basubo e. Nde kake ma ubioso mia gwa. Lendekenya papa. Mie va ben mia soubo. Ba mi mate soubo ne wo kmokbon mou lemeo. Eya ta bokbo koko domi nusen lendekenya. Ne subo subo ke jena mau ke le fiozik pe adia ne nya sone ne ba te blebo le deken ya papa o yesu nye subo le deken ya glonyare le deken ya no glonyare le deken ya glonyare glon le deken ya wano mebe akpe da fosane le deken ya ucha glonyare so tiyo me le deken ya ucha glonyare na ma uma le deken ya glonebe eye lolo glonebe eye keke glonebe eye triako glonebe eye nye mau pate Glonebe eyi ni mau jifia o jifia Glonebe eyi ni mau so kata to le deken Oh yes Wenye mia pa kakbe se se ke jimye nona tero Oh papa Aiko na o le deken papa Uchi kokwe na o le deken Dodore jina o le deken Aiko na o le deken papa Aiko na o le deken Oh yesu nye suba o le deken Tu ramènes Seigneur Oh les captifs Tu ramènes ceux qui sont perdus, Seigneur, et tu leur donnes le souffle de vie. Il y a un précieux nom, ce nom c'est Jésus-Christ. Seigneur, nous chantons à jamais tes louanges pour ton amour infini, Père. Jésus-Christ, tu es notre Rédempteur. Nous chantons à jamais tes louanges. Seigneur, reçois nos louanges ce matin. Reçois notre adoration, Seigneur, du plus profond de nos cœurs, Père. Oh Jésus. La Bible dit, c'est avec des langues balbutiantes que je parlerai à ce peuple. Il n'y a rien de tout là, de dire non à Maoul et de Kéa. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Thank you, Jesus. Tu es mon bouclier, ma force. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est
le désir de mon cœur et je vais pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui nous avons fondé notre vie. Oh, toi seul, toi seul est le désir de mon cœur et je vais pour t'adorer. Libre à la tire de guerre. Courir à ma sonde, libre à la tire. Yehovah, we lo, Yehovah, we lo. Thank you, Jesus. Yehovah, we lo. Yehovah, we lo. Jehovah, we love.
tiala e waka fwa meno veve fiala. Thank you, Jesus. Fiala, fiala, fiala e waka fwa meno veve fiala. Oh, waka fwe. Waka fwa menu vive siala waka fida waka fwa menu vive siala siawo nyeo siala 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 Apostle Paul Benanye, amen nous bébé et sonao. Et quand béné amen nous bébé là et que ma la dio no bata. Et yenti no bata ke mi le waoni amen nous bébé do ye homo le ole mi apa bébé. Mie subol ndeke a papa do wa amen nous bébé kamata. Mie subol ndeke do amen nous bébé kama ke nami de papota. Mie subol ndeke do ndeke. Tu es excellent Seigneur, tu es merveilleux, tu es grand Seigneur. Je ne pouvais rien faire, mais quand tu t'es montré, Seigneur, tu m'as dit que tu pouvais faire au-delà de tout ce que je pensais et que j'imaginais. Tu es excellent, Seigneur. Tu es merveilleux, Père. Tu es grand, Seigneur. Tu es amour. Tu es ce que je vis. Tu es ma vie, Seigneur. Tu es mon amour, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu es ce que je ressens, oh Père. Alléluia, tu es. Thank you, Jesus. Fiala, 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 waka fwa menu vefe fiala. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Thank you, Jesus. Tu es digne d'être loué, Seigneur. Thank you, Jesus. Tu mérites la grandeur, tu mérites nos louanges. Oh Seigneur, merci pour ton amour là. Merci pour ton amour, Esprit de Dieu. Holy Spirit. Car je ne sais pas comment te louer, comment te remercier. Pour tes bienfaits durant cette année 2023. Oh Seigneur, tu nous as délivrés du filet de l'oiseau. Et tu nous as fait du bien. Tu nous as rassasiés de ton amour. Oh Sakata. Edem to Bego Glola me. Thank you, Jesus. E comdare ye pakape la ji. Thank you, Jesus. E to ye fenya o de nye ti meke. Madi kafuhawo. Hallelujah. Yesu dem to Bego Glola me. Edem to nye dolele wo me. Eye wo kom dare. Ye pagakwe la ji. Eto ye penya wo de nye ti meke. Mati kafu ha wo. Alelo. Oh Yesu. Alleluia.
Nous sionons mon ami au lolo la papa. Oh Yesu, nous sionons mon ami au keke. Yehova ma wodo fonfo. Yehova ma wodriako. Yehova ma ne wodoku do nusse. Le son nous simple litié et le wahwane lutu Christ. Célébrer. Oh, reçois honneur et gloire. Quand tu nous réjouis le cœur. Merci Seigneur. Oh, merci. Oh, Yehova, mon le roi, un autre toi, tu vois. Il a fait. Jésus. Il a fait. Il a fait. Il a fait. Glognarine, glognarine, glognarine. On ne serait pas ici. Si ce n'est pas par ta miséricorde, l'ennemi nous a déjà abruti. Tu as étendu ta main comme les ailes d'aigle de l'aigle. Et tu nous as porté. Tu nous as porté. Tu nous as fait sortir du cachot du désespoir. Tu nous as fait sortir des ténèbres. Ne fanya gogo me juko wo ne makata ne chite juko ta la mashikata to vuvule ngowo se de pe melina wo Yehowa ngotile lu ngotile lu Dieu m'a glonné au bena mo kwa ofo Dieu m'a glonné au bena re na mo kwa ofo na no voma te glena o Ela be mau ko le subwe ti ya ko mau ma po koko mele me o ma te glonné au bena ko be o dona fonfon ta e yi ti o la te ti te ro ti o o la te li li bi li bi le ti o fo o ma te glonné au bo do fonfon o ma te glonné mau ke le me wa ma wa lolo o ma te ke nu la ti da se wa haleluya. Thank you Jesus. Yehowa ngoti lenu o ngoti lenu Yehowa nedo fonfon lo nedo fonfon tuko wo mi pwape mi klipe jijo hawo Yehowa ngoti lenu o Yehowa nedo fonfon lo nedo fonfon aye 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 aye. Thank you Jesus. Oh Yesu. Oh Yesu. Oh Yesu. Ebara bosanda la bragadika. Holy, thank you, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, je te loue, je te glorifie. Esprit de Dieu, je te lève vers toi ce matin. Car lui, c'était ton intervention. Merci, Jésus. L'ennemi nous aurait déjà détruits. Sans ton feu, Esprit de Dieu, nous ne serions pas ici. Sans ta protection, nous ne serions pas en vie aujourd'hui. Pour cela, Esprit de Dieu, je te lève. Esprit de Dieu, je te glorifie. Saint-Esprit, je te glorifie. Saint-Esprit, je te glorifie. Esprit de Dieu, je te loue, je te glorifie. Rama chante les bras maillants. Oria ma sonde les bras sacata la bragaria. Oria ma sonde les bras sacata la bragaria. Esprit de Dieu. Seigneur, toi qui n'as jamais cessé de faire du bien à tes enfants. Toi qui ne refuses aucun bien à tes enfants, nous voici au dernier jour. Nous avons toujours soif de nos besoins.
Nous avons toujours besoin des choses, Seigneur, que tu n'as pas encore accomplies. Mais tu as dit dans ta parole, je suis l'Éternel qui fait de grandes choses, des choses grandes, des merveilles sans nombre. Des merveilles sans nombre. Des merveilles sans nombre. Des merveilles sans nombre. Seigneur, je sais que tu vas encore le faire ce matin. Quelqu'un va traverser cette nuit avec des miracles. Quelqu'un va traverser cette nuit avec son témoignage. Parce que tu es sur le point de faire des merveilles. Il dit, je suis l'Éternel. Je suis sur le point de faire de nouvelles choses. Ne vous la voyez pas. Seigneur, tu es sur le point de faire de nouvelles choses. De nouveaux miracles, de nouvelles guérisons. Tu es sur le point de donner des témoignages à quelqu'un. Tu es sur le point de délivrer une âme. Tu es sur le point de donner la gloire à quelqu'un. Tu es sur le point de changer le nom de quelqu'un. Tu es sur le point d'habiller quelqu'un d'un vêtement nouveau. Rabakate. Tu es sur le point de changer le nom de quelqu'un. Tu es sur le point, Seigneur, de délivrer quelqu'un de la fosse, des ténèbres, du sépulcre. Tu es sur le point d'amener quelqu'un des ténèbres à la lumière. Rabakato. Tu es sur le point, Seigneur, de donner du sourire à quelqu'un. Tu es sur le point, Seigneur, de donner la joie à quelqu'un ce matin. Oh, Rabakata, la bragadia. Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de résurrection, toi qui es esprit de résurrection, c'est le moment de nous faire revivre encore. Car il est écrit, tu ne nous feras pas vivre encore. Il dit, oui, vous vivrez encore. Esprit de Dieu, fais revivre l'âme de quelqu'un, fais revivre le foyer de quelqu'un, fais revivre les enfants de quelqu'un. Fais revivre le bonheur de quelqu'un. Fais revivre la destinée de quelqu'un. Fais briller la lumière de quelqu'un. Fais briller l'étoile de quelqu'un. Fais revivre le témoignage de quelqu'un. Fais revivre le miracle de quelqu'un. Ton espérance n'est pas encore morte. Et dis ton espérance. Rabasakete. Reçois le Saint-Esprit. Il fait revivre tout ce qui ne bouge pas dans ta vie. Il fait revivre encore ta vie. Il fait revivre ce qui est mort dans ta vie. Il fait revivre ça. Organes qui sont morts en toi, il te donne une nouvelle vie. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Christ Jésus. Acclamez pour le Saint-Esprit. Acclamez pour le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce que tu peux jouer la chanson? Que ma vie soit une fleur. Non, on ne va pas chanter ça. Et on va continuer. Sois connecté à ce son. Les anges sont dans l'atmosphère et ils sont en train de marcher selon le rythme de ce piano. Et ils te toucheront avec leur aile. Et quelque chose de miraculeux va se passer dans ta vie. Les anges, ils sont en train de mouvoir au son de ce piano. Et quand ils arriveront chez toi, comme ils connaissent déjà tes besoins, ils déposeront un paquet de bénédictions dans ta main. Ah, tu n'as pas dit amen, hein? Les anges de Dieu sont là. Le Saint-Esprit leur a donné des ordres te concernant. Parce que avant minuit, tu vas célébrer le Seigneur pour un bienfait qu'il aurait fait. Parce que tu vas recevoir une bonne nouvelle. Les anges l'ont apporté ces bonnes nouvelles. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Très rapidement, je finis avec notre thème
reconstruire l'autel de prière. Et aujourd'hui, j'ai promis de vous montrer comment faut-il bâtir l'autel de prière. Comment faut-il rebâtir ta vie spirituelle? Le chrétien ne doit pas être charnel. Quand nous sommes dans la chair, le diable va nous tuer. Le monde va nous faire souffrir. Le monde va nous faire chuter. Adam est né grand et il était dans la chair. Adam, et il a chuté à cause de sa chair. Parce que non. Alléluia. Amen. À ce qu'il ne priait pas. Il n'a jamais prié. Alléluia. Amen. Et il a chuté. Quand le chrétien ne prie pas, quand le chrétien n'a pas une vie de prière, quand le chrétien ne jeûne pas, quand le chrétien n'est pas spirituel, le diable fait toujours chuter. Alléluia. Amen. Mais toi et moi, comme dans ce mois de décembre, nous avons appris comment faut-il prier. Alléluia. Amen. Et comme nous allons apprendre tout à l'heure comment faut-il construire cet hôtel de prière, qui deviendras une arme dans la main de Dieu, qui deviendras un guerrier de prière, tu seras une flamme de feu, et quand l'ennemi viendra contre toi, le feu là le consumera. Tu deviendras une pierre lourde, et tous ceux qui essaieront de te soulever, ils seront éclatés. Tu deviendras comme un marteau qui brise les roches. Parce que Dieu a dit à Jérémie, Jérémie c'est quand il dit, c'est par toi que j'ai brisé des nations. Il dit, par toi j'ai brisé des nations. J'ai brisé des rois. Donc en ce moment, si tu veux que Dieu te dise pour briser des nations, tu as besoin d'être un guerrier de prière. Tu dois être un spirituel. Tu dois sortir de la chair. Alléluia. Amen. Comment construire l'autel de prière? Comment bâtir la vie de prière? Comment bâtir la vie spirituelle? Matthieu 6, 9 à 11. Matthieu 6, 9 à 11. Jésus nous a appris comment faut-il bâtir une vie de prière, un autel de prière. Matthieu 6, à partir du verset 9. À partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton... Verset 10. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et le verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie. Esprit de Dieu, saisis la parole ce matin et transforme la vie de ce peuple. Fais de tous les élus du Christ des flammes de feu ce matin. Que la parole soit vérifiée dans leur vie et qu'ils deviennent des temples de prière, qu'ils deviennent des hommes et des femmes de prière pour détruire les œuvres de Satan et établir le royaume de Dieu sur la terre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Le verset que nous venons de lire nous explique comment Jésus a appris aux disciples de prier. Il leur a appris de bâtir
l'autel de prière. Alléluia. Amen. Il dit premièrement sanctifier le nom de Dieu. Élever son nom. Et demander son règne sur la terre. Demander son royaume au milieu de nous. Comme cela se fait au ciel, que sa volonté soit faite ici aussi. Alléluia. Amen. Parce que quand vous regardez l'Ancien Testament, tout ce que les Moïse, les Noé, ils ont fait en construisant des arches, des tabernacles, ces choses-là sont déjà au ciel. Alléluia. Amen. Et Dieu leur avait demandé de faire leur représentation sur la terre. C'était la volonté de Dieu au ciel. Maintenant, Jésus dit, à notre temps-ci, nous n'aurons pas besoin de construire l'arche de l'alliance avec des bois. Mais nous allons le bâtir spirituellement. Et si nous voulons le bâtir, la façon de le faire, c'est de prier comme ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Amen. Parce que quand le règne de Dieu descend, c'est son royaume qui descend, et son agenda s'accomplit. Tout le plan qu'il a pour son peuple, il les accomplit. Alléluia. Aussi longtemps que l'église ne prie pas, le règne de Dieu ne viendra pas et sa volonté ne s'accomplira pas. Dieu veut faire de grandes choses, mais nous ne prions pas. Nous ne demandons pas sa volonté. Quand on parle de l'autel de prière, c'est différent des réunions de prière que nous tenons les vendredis nuits. Alléluia. Parce que les réunions de prière, nous venons présenter nos besoins à Dieu. Nous demandons seulement. Alors que l'autel de prière, ou bien la vie de prière, nous demandons le règne de Dieu, sa volonté. Nous cherchons à connaître ce qu'il a pour nous. Nous cherchons à connaître ce qu'il veut que nous fassions. Nous cherchons à connaître comment est-ce qu'il veut mouvoir sur la terre. Alléluia. Amen. Donc c'est sa volonté qui se fait premièrement. Et quand sa volonté se fait, tout ce qu'il nous faut, il le relâche. Alléluia. Amen. Le livre de Jacques 5 dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Alléluia. Pourquoi? Nous multiplions les mêmes besoins devant Dieu qui ne sont pas conformes à sa volonté. Voilà, quelqu'un se lève et dit, Seigneur, aujourd'hui, demain c'est la fête. J'ai besoin de $10,000 pour acheter des billets de whisky dans ma maison parce que je vais inviter mes amis. Quelqu'un dit, Seigneur, j'ai besoin de $10,000 pour nourrir les orphelins qui sont dans mon village. Entre ces deux requêtes-là, laquelle répond à la volonté de Dieu? Et tous vous inviter des gens pour leur donner à manger, non? Mais le premier dit, je vais leur acheter des billets, des boissons. Et l'autre dit, je vais acheter du riz pour distribuer aux orphelins. Les deux vont, eux veulent toujours faire des dons. Dieu dit, je suis le père des orphelins. Si vous donnez aux orphelins, c'est à moi que vous priez. Donc il répond à la volonté de Dieu. Vous pouvez être des jumeaux avant de faire ces prières. Atou va recevoir et Tchè ne va pas recevoir. Et Tchè dira, Dieu aime Atou plus que moi. C'est le problème de l'église aujourd'hui. C'est le problème des chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Amen. Oui. Certains reçoivent, d'autres ne reçoivent pas. En tout cas, Dieu ne m'écoute pas. Dieu ne m'aime pas. Non,
nous aime tous. Mais c'est parce que nous ne connaissons pas sa volonté. Alléluia. Amen. C'est parce que quoi? Nous ne répondons pas à sa volonté. Les prières de réunion demandent seulement les besoins personnels. Mais le temps de prière cherche à faire régner la volonté de Dieu. Et ceci faisant, Dieu agit promptement. Et il accomplit son plan au milieu de son peuple. C'est pourquoi Jésus dit, demandez le règne de Dieu. Que sa volonté soit faite sur la terre. Comme cela se fait au ciel. Et quand vous continuez la prière, on demande maintenant le pain quotidien. Après la volonté de Dieu, le pain quotidien arrive. Les besoins quotidiens. Le pardon du péché. Alléluia. Amen. La protection contre les tentations. Alléluia. Après la volonté de Dieu, les autres arrivent. Ça, c'est le schéma pour construire l'autel de prière. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais t'enseigner dorénavant quand tu vas t'agenouiller pour prier là. Comment faut-il prier? Et quand on parle de l'autel de prière, ça devient un style de vie. C'est-à-dire que ta vie quotidienne, c'est la prière. Il ne s'agit pas de prier aujourd'hui. 4 jours après, tu pries aujourd'hui, dimanche, c'est parti pour jeudi. Non, ça, ce n'est pas un hôtel de prière. L'hôtel de prière, tu pries, c'est-à-dire que tu ne sais même pas quand tu pries. Il y a un homme de Dieu, il fait tellement de miracles. J'ai un Américain, on lui a demandé un jour, quand est-ce que tu pries? Il dit, je prie comme je cours, comme je marche. Alléluia. Parce que la Bible dit, prier sans cesse. Ça, c'est l'autel de prière. Alléluia. Amen. L'autel de prière. Alléluia. Amen. Nous met dans le plan de Dieu. L'autel de prière. Nous amène à oublier nos propres besoins. Alléluia. Amen. Rapidement, comment faut-il le construire? Alléluia. Amen. Un. Le processus pour construire l'autel de prière. Numéro un. Il faut engager la prière matinale quotidiennement. La prière matinale. De façon quotidienne. Tu pries de lundi à dimanche chaque matin. Lisons Job 38 verset 12. Job 38 le verset 12. Qu'est-ce que Job a dit? Job 38 le verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Alléluia. As-tu montré sa place à l'aurore? Est-ce que au sonya da sinan keke akwa? Eye au so yebe tepe sofion sok mfoke. Sofion sok mfoke. Vous connaissez mfoke? Alléluia. Le matin c'est à partir de 6h. Alléluia. À partir de 3h jusqu'à 5h, on appelle ça Mfoke. Sauf au fond, mes gâteaux, va na gâteau, on a ben Mfoke. Alléluia. Amen. À partir de 6h, c'est le matin. Mais de 3h jusqu'à 5h, c'est Mfoke. On appelle l'aurore. C'est ça l'aurore. Alléluia. Amen. Maintenant, on parle à Job. Job, depuis que tu es né là, as-tu déjà commandé au matin? As-tu déjà parlé au matin? Avant que le matin ne vienne là, est-ce que tu lui donnes des ordres? Est-ce que tu lui as déjà montré sa place? La journée qui arrive là, est-ce que tu lui as donné des commandements? Nous les chrétiens aujourd'hui, on se lève seulement. On sort sans contrôle, sans directive.
on mange, on boit comme les païens. Mais les païens aujourd'hui sont plus, ils sont plus intelligents, je dirais, ou bien vigilants que nous. Il y a des charlatans, eux, ils se lèvent très tôt le matin, dans l'aurore, 3 heures du matin. Ils vont pratiquer la divination. Ils vont demander à leurs états qu'est-ce qui est réservé dans la journée. Ils commandent à la journée. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous les chrétiens ne le faisons plus. Des fois, on se réveille à midi. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons bafoué cette étape de construction de l'autel de prière. Alléluia. Amen. Tu veux bâtir une vie spirituelle? Il faut savoir prier très tôt le matin. Regardez l'exemple de notre Seigneur Jésus lui-même. Bon, le verset là, je veux qu'on lit jusqu'à la fin. Il y a quelque chose que, quand on prie le matin, quels sont les bénéfices? C'est là-bas. Alléluia. Va au verset 13. Avant que je vous donne l'exemple de Jésus. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Vous comprenez ça? Quand tu donnes des ordres à la journée. Non, le sonya d'assinant kekea. Alléluia. Amen. Tes ordres bouleversent tes ennemis. Leurs plans, leurs projets sont renversés. Parce que Satan, chaque jour, a de mauvais plans contre les enfants de Dieu. Mais toi aussi, avant le matin, parle, dis quelque chose. Relâche des paroles dans l'air. Tes paroles sont des flèches. Alléluia. Tes paroles sont des flammes de feu que tu relâches dans la journée. Et quand tes paroles vont raconter les mauvais plans de Satan, s'il faut les briser, elles vont les briser. S'il faut les consumer, elles vont les consumer. Alléluia. Amen. Donc, chrétien, tu dois apprendre à prier très tôt le matin. Alléluia. Amen. On continue avec notre lecture. Qu'est-ce que le verset 14 dit? Le verset 13 dit secouer les méchants, détruire leurs œuvres. Le verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. C'est-à-dire que tes prières, tes vêtements là, dirigent la terre en ta faveur. Alléluia. La terre va relâcher ce qu'elle a avalé pour toi. Elle va vomir ce qu'elle a avalé. Elle a tué, non? Le verset qui suit, le verset 15. Qu'est-ce que le verset 15 dit? Il dit, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras, et que le bras qui se lève soit brisé. Amen. Tu sors gaillardement sans prier, sans donner de l'ordre à la journée. Il y a des bras, des mains visibles qui viendront te gifler. Alléluia. Amen. Oui, maintenant il faut prier. Relâcher des bombes dans le jour, dans la journée. Tu sors, tu es protégé. Chaque jour. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a une vie de prière, c'est ce qu'il fait. Ah, madame le Seigneur, combien? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Quand nous regardons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, Marc 1,35, qu'est-ce qu'il a dit? Marc 1,35. Marc 1, verset 35. Pourquoi je t'enseigne tout ceci? 2024, c'est une année qui sera merveilleuse pour ceux qui vont beaucoup prier. Alléluia. Amen. Donc nous sommes en train de poser le fondement pour régner en 2024. Ce que tu dois faire pour prédominer. Alléluia. Amen. Donc Marc 1,35 dit ceci. Vers le matin. Donc il n'est pas encore matin. Vers le matin. Alléluia. Ce que Dieu dit, c'est au-delà de 6 heures encore. Il n'est pas encore 6 heures. Vers le matin. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. C'est Jésus ça. Ton maître, ton Seigneur, celui qui est Dieu. Chaque matin, il se lève avant que les gens ne se réveillent. Il donne des ordres au matin. C'est pourquoi quand il vient dans la journée, tous les malades sont guéris.
quand les démoniaques le voient, ils sont délivrés. Alléluia. Amen. Parce qu'il est chargé spirituellement. Il a dit à la, au jour ce qui doit se passer. Donne la couleur à ton jour, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dirige ton jour. Ne laisse pas les sorciers diriger ton jour. Ils ont programmé des accidents. Tu peux déprogrammer cet accident. Ils ont programmé des crises cardiaques. Tu peux déprogrammer ces crises-là. Par tes prières matinales, recevez la grâce pour prier très tôt le matin. Recevez la grâce pour prier très tôt le matin. Au nom puissant de Jésus. Quand vous lisez Exode 8, le verset 20, quelque chose s'est passé. Exode 8, verset 20, la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, lève-toi très tôt le matin. Va raconter Pharaon avant qu'il n'aille vers les eaux. Ça, c'est mystère. Alléluia. Il dit, lève-toi très tôt le matin. Va raconter Pharaon avant qu'il n'aille vers les eaux. Avant que le monsieur n'aille recevoir la puissance des esprits des eaux. Avant que lui ne fasse ses incantations, toi, lève-toi, devance-le. Chrétien, devançons les sorciers, devançons les divinateurs. Très tôt le matin, renversons les choses avant qu'ils ne se réveillent. C'est ça l'hôtel de prière. On te connaît pour ça. Dans la famille, c'est que Kofi Koku, là, lui, très tôt le matin, lui, il se lève, il prie pour la famille chaque matin. Alléluia. C'est ce qui va se passer en 2024. Et ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Alléluia. Deux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour construire l'hôtel de prière? Engager l'étude quotidienne de la parole de Dieu. Tu te réveilles le matin. Ton premier pain, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu te réveilles au lit. Laisse tomber ton portable, laisse tomber Facebook. Que la Bible soit là. Lis la parole premièrement. Quand Jésus a dit, Matthieu 4:4 quoi? L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu manges la parole premièrement avant de prendre ton petit déjeuner. Mais aujourd'hui, les gens utilisent une expression là, avant de prendre ton déjeuner. Alléluia. Ah. Alléluia. Mange le petit déjeuner de la parole d'abord. Tu vas écouter une voix dans la parole. La parole va te donner des directives. Ce qu'il faut faire dans la journée. La parole que tu vas lire deviendra l'épée dans ta bouche. La parole que tu vas mémoriser, c'est ça l'épée que tu vas utiliser dans la journée pour combattre ton adversaire. Les défis, les situations difficiles qui vont se soulever dans la journée. Avec la parole là, tu vas les apaiser. Tu sors sans rien, sans arme. La parole c'est ton arme. L'ennemi te raconte comment est-ce que tu peux le battre. Un petit problème vient, tu es déjà flétri, tu es déjà inquiet. Tu es soucieux, tu es mort même avant l'arrivée de la mort. Lisez la parole. Lisez la parole. La parole est l'épée du Saint-Esprit. C'est ce que Ephésiens 6, verset 17 dit. Il dit c'est l'épée de l'Esprit. La parole est esprit et vie. Jean 6, verset 63. Donc tu lis la parole, il y a un esprit qui entre en toi, une nouvelle vie qui commence avec toi. Tu mémorises et tu confères quand tu sors. Tu es, tu t'es réveillé avec $0 sur le compte. Et tu lis Psaume 23, verset 1 qui dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et tu crois que tu vas manquer de quelque chose? Tu confesses à la longueur de la journée.
L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. C'est lui qui dirige mes pas dans de verts pâturages. C'est lui qui me dirige vers là où il y a de la nourriture, là où il y a l'argent. Tu crois que la parole de Dieu va échouer? C'est ce que nous ne faisons pas, peuple de Dieu. Nous avons de grands privilèges auprès de Dieu. Nous avons de grandes bénédictions. Alléluia. Amen. Je ne manquerai de rien. Il dit, je serai avec toi même dans le feu. Le feu ne te consumera pas. Même dans les eaux ne te submergeront pas. Les problèmes, je vais m'en sortir. Alléluia. Amen. Parce que la parole a déjà dit, c'est ma nourriture. Est-ce que je parle bien? Il dit à Josué, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Il faut le lire nuit et jour. Et ceci faisant, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Vous voyez ça? Tu dois le lire chaque jour. Et tu réussiras dans tous tes projets. Parce que la parole va t'enseigner ce qu'il faut faire. La parole va te communiquer la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Et tu sortiras victorieux. Quand cette nuit, je vais vous donner le nom de l'année là. Vous allez comprendre pourquoi je vous donne ce message. Alléluia. Parce que le nom là ne s'accomplira pas aussi longtemps que tu ne fais pas ce que je t'enseigne. Alléluia. Amen. Je vais citer le reste, on se lève. Alléluia. 3. Engager la sanctification et la louange quotidienne du nom de Dieu. Matthieu 6, 9 dit quoi? Matthieu 6, 9 dit quoi? Que ton nom soit sanctifié. C'est ce que Jésus nous a dit. Et Hébreux 13, 15 dit que des paroles de louange sortent de nos lèvres. Alléluia. Amen. Chaque jour, ceci faisant, tu seras rempli de la présence de Dieu. La présence là te conduira dans de vrais pâturages. La présence là te conduira, tu ne tomberas pas dans les fautes de l'ennemi. Tu ne tomberas pas dans les pieds de Satan. La présence là va te donner du repos. La présence là va semer la paix dans le camp de tes ennemis. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'autel de prière. 4. Effectuer une vraie repentance et de consécration personnelle. Alléluia. Une vraie repentance, une vraie consécration à Dieu. Tu deviens une offrande sur l'autel de Dieu. Tu t'écartes pour un auteur. Quand Dieu te voit, il compte sur toi. Il se vante à cause de toi. Job était une offrande vivante pour l'Éternel. Au point qu'il a dit à Satan, as-tu regardé mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu se vantait à cause de Job. Est-ce aujourd'hui Dieu se vantera à cause de toi? 2024, que Dieu se vante à cause de toi. Tu seras tellement élevé. Alléluia. 5, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Priez beaucoup en esprit. Ephésiens 6, 18 dit: priez beaucoup en esprit. Priez en langue. Paul dit: je remercie Dieu parce que je prie en langue plus que vous tous. Alléluia. Alléluia. Amen. Priez beaucoup en esprit. Tu pries, les gens qui sont à côté de toi ne vont même pas t'écouter. Il y a mon père spirituel qui a dit un jour, il était en train de manger à Imolo. Quand il était étudiant, et quand il mangeait, il faisait, il parlait en langue parce que c'était sa vie, ça. Et la revendeuse lui a demandé: oh monsieur, est-ce qu'il y a du piment? Il dit: oh non. Parce qu'il faisait, il ne savait même pas qu'il priait. Il mangeait, mais il priait. Et la revendeuse croyait que c'était du piment. Piment spirituel, vraiment. Alléluia.
recevez cette grâce. La grâce pour prier en esprit. Que le Saint-Esprit vous fortifie de prier en esprit. Engagez l'intercession les uns pour les autres. Ézéchiel 22, 30 dit: je cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche pour relever la muraille brisée, mais je n'en trouve pas. On le dit, pas les accusateurs, pas les calomniateurs dans l'église, mais on veut ceux qui vont intercéder. Tu vois que ton frère là, ton frère vient de chuter. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'aider à se relever? C'est ce que l'église sait, c'est ce que Dieu veut. Aujourd'hui, c'est nous les chrétiens, nous enfonçons nos frères à tomber plus. Tu vois la personne pécher, oui, il a péché, on reconnaît. Il a forniqué, il a commis l'adultère. Aide-le dans la prière. Appelle-le, dis-le, mon frère, ce que tu as fait est mauvais. Dis-lui, il faut avoir le courage de lui dire la vérité premièrement. Et tu dis, on va prier, tu vas te relever encore. Et parce que Dieu dit, cette fois le juste tombera, cette fois il se relèvera. Alléluia. Intercession. Priez les uns pour les autres. Priez pour les hommes de Dieu. Priez pour les chrétiens, les soeurs, les frères que vous voyez reculer en esprit. Priez pour l'église. Ceci faisant, le ciel va t'envahir. Le ciel va t'envahir. J'en ai beaucoup, mais lève-toi sur tes pieds. Alléluia. Lève-toi sur tes pieds, parce que je me suis dit déjà, minuit et 15, je vais m'arrêter. Parce qu'on va revenir à 22h cette nuit. Pour la traverser. Alléluia. Ce que je t'ai donné, si tu peux le pratiquer, ta vie ne sera plus la même. Le reste, je le garde moi-même. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt pour devenir un hôtel de prière? La Bible dit, Anne priait jusqu'à ce que le sacrificateur n'attendait plus sa voix. Alléluia. Alléluia. Amen. Chakata. Il y a un monsieur qu'on appelle Siméon. Il avait l'art de mourir, mais Dieu lui a dit, tu ne mourras pas. Tu dois voir le Messie. Il priait chaque jour dans le temple. Et le jour qu'il a vu le Messie, il a remercié Dieu. Il dit, Dieu, je suis fatigué, je vais mourir. Alléluia. Ah. Élève tes deux mains. Parce que le Saint-Esprit va te donner un fortifiant spirituel. Tu ne te fatigueras plus quand tu pries. Quand tu lis la parole, tu ne te fatigueras plus. Tu vas prier 2 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps. Un jour, j'ai commencé par prier avec un groupe de personnes. Le remerciement seulement a pris déjà 45 minutes. Une personne a dit, quand est-ce qu'on va finir? Ce n'est que le remerciement. Alléluia. Vous avez besoin de ce zèle. Vous avez besoin de ce feu-là. La Bible dit, les apôtres ne priaient pas. Mais le jour que Jésus est parti, ils ont engagé un hôtel de prière pendant 10 jours. Et les cieux étaient ouverts. L'église est descendue du ciel. La puissance est descendue sur eux. Et ils sont devenus puissants sur la terre. Ils sont devenus puissants sur la terre. Ils ont envahi la terre. Ils bouleversaient les villes. Ils bouleversaient les nations. Ils chassaient les démons. Dieu veut une armée de fin des temps. Une armée de fin des temps. Une armée à cette fin des temps. Une armée qui prie beaucoup. Une armée de feu. Une armée de feu. Une armée de flammes de feu. Une armée qui ravage tout sur son chemin. Une armée qui renverse les tables de Satan. Une armée qui renverse les hôtels sataniques. Ce n'est pas un domaine que vous pouvez le faire. Mais c'est quand vous êtes réchauffé dans la prière. C'est quand vous vous levez dans la prière. C'est quand vous êtes devenu des hôtels de prière. C'est quand vous êtes devenu des machines de prière. Ceci sera possible. Ce qui était impossible avant deviendra possible. Oh, lève tes deux mains. Le feu tombe aujourd'hui.
Le feu l'attend aujourd'hui. Tu vas finir l'année 2023 avec le feu du Saint-Esprit. Tu finis cette année avec le feu dans la puissance. Pour que tu renverses les puissants témoignages qui veulent te bloquer la voie. Oh Rabba Chandele Brazakata Lambagadiha. Le feu les descend seulement pour consumer les bagages, les fardeaux, les jougs que l'ennemi a encore déposé sur ta vie. Les soucis qui te rendent lourd et tu n'arrives pas à prier. Le feu là les consume maintenant même. Et tu deviens léger, tu deviens léger. Tu deviens léger. Tu deviens léger. Tu deviens léger. Les maladies se consument. Les malédictions se consument. Les chaînes sataniques se brisent. Pour que tu puisses bien prier. Les douleurs, les soucis. Qu'il faut que tu n'arrives pas à prier. Le feu la descend pour les consumer. Le feu la descend et les consume. Le feu la te délivre de tes soucis, de tes inquiétudes, de tes maladies, de tes problèmes, des liens sataniques. Pour que tu deviennes une machine de prière. La machine de la bragade. Est-ce que quelqu'un peut prier à l'âme pour une minute? Est-ce que quelqu'un peut prier à l'âme pour une minute? Est-ce que tu peux prier à l'esprit pour une minute? Jacada la bragada la bragade. Le feu la descend. Le feu pour la prière. Le feu pour la prière. Le feu pour bâtir l'autel de prière. Le feu pour louer Dieu. Pour adorer Dieu. Le loyer adoration non-stop. Le feu la descend, il vous impacte. Le feu du Saint-Esprit descend. Il vous anime. Il vous ranime. Il vous enflamme pour le Seigneur. Il vous enflamme. Rabakaterekata. Recevez le feu, l'arrive, l'esprit de Dieu distribue le feu. Saint-Esprit distribue le feu. Saint-Esprit distribue le feu. 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 Que ce soit enflammé pour le Seigneur. Enflammé, enflammé. Soyez enflammé par le feu. Soyez enflammé par le feu. Soyez enflammé par le feu. Vous allez prier pour 3 heures de temps sans fatigue. Priez pour 5 heures de temps sans fatigue. Priez de minuit jusqu'à 6 heures du matin sans fatigue. Parce que le feu vous ranime. Le feu vous enflamme. Jacata la bragadia. Et maman Rabosakata la bragadia. Saint-Esprit, merci. Un feu est né en toi. Ne laisse plus le feu là s'éteindre. On le ranime plus avec la prière, avec le jeûne, avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le bois. Et le Saint-Esprit donne l'huile. Et l'huile ranime le feu. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez le souffle du Saint-Esprit. Le vent du Saint-Esprit. Et que le feu là se ranime plus. Recevez l'huile. Et que le feu là augmente. Recevez l'huile. Que l'huile ranime le feu. Que l'huile ranime le feu. Que l'huile ranime le feu. Recevez au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Quand il y a des dépôts spirituels maintenant, au nom de Jésus-Christ, acclamez cette fois pour le Seigneur. Ce soir, nous allons rallumer le feu. Avant de voir le 1er janvier 2024, nous allons entrer, nous allons commander. Qu'est-ce que Job nous a dit? Commander au matin. Cette fois, nous allons commander à l'année. Nous allons faire quoi? Commander à l'année 2024. C'est ce qui va se passer cette nuit. Alléluia. Tous les projets que tu as, viens les présenter à 2024 cette nuit. Invite une frère, un soeur de venir, que nous allons commander à l'année 2024. Elle va exécuter tout ce que nous allons lui présenter. Tu veux des business? Tu veux devenir déjà un entrepreneur? Avoir ta propre compagnie, viens présenter à l'année 2024 par la parole de Dieu. Mariage, enfantement, viens présenter à l'année 2024. Ta foi va te sauver. Ta foi va te libérer. Ta foi va accomplir le miracle. Des fois, Dieu peut
peut refuser de te donner ce que tu demandes. Mais ta foi va l'exciter. La femme cananéenne l'a fait. Jésus a refusé. Mais à cause de ça, Jésus dit, je te donne ce que tu veux. Viens cette nuit à 22h. 22h. Nous commençons à 22h. Ça va être une prophétie que tu n'as jamais vue. Prophétie délivrante guérison. Parce que tu ne vas pas repartir avec les mêmes fardeaux. Tu auras un nouveau vêtement pour l'année 2024. Un nouveau feu. Une fraîche onction. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois ça? Le roi m'a dit ça. Alléluia. Amen. Thank you, Jesus. Acclamez très fort pour les Saint-Esprit. Ou bien, je suis trop long aujourd'hui. Alléluia. Ma soeur, nous te disons bonne arrivée. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez le Seigneur pour la vie de notre soeur. Ah, serrez-lui la main et encouragez-la. Alléluia. Ici, c'est l'église des élus du Christ. Nous sommes à l'église des élus du Christ. Alléluia. Et nous sommes très heureux, très contents de t'avoir au milieu de nous aujourd'hui. En ce dernier jour de l'année, tu es distingué. Alléluia. 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 À la fin, certains de nos frères ou soeurs vont s'approcher de toi. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, très rapidement, avant que nous recevons la prière de clôture. Bon, on passe d'abord à notre deuxième quête avant que je ne vous donne une petite information et on se sépare, on revient à 22h. Alléluia. On fait notre deuxième quête. Alléluia. Les bras sous kata, la bragaria. C'est comme si vous n'êtes pas joyeux que vous finissez l'année. Ou bien c'est le froid. Alors que moi je transpire. Ah, moi je transpire. Alléluia. Soyez en joie. 31 décembre 2023. L'année qui était difficile. Alléluia. Et toi, tu as survécu. Tu es là jusqu'à ce jour. Manifeste ta joie dans la maison de Dieu. Sois reconnaissant à l'égard de Dieu. Tout à l'heure, quand le groupe musical chantait, on ne dansait pas. Les gens faisaient ci, ça. Comme si on dansait Pacheco. Non, ce n'est pas Pacheco. Alléluia. Secouez-vous pour le Seigneur. Remerciez-le. Ce n'est pas le temps de slow ou bien de Pacheco. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour la vie de ton peuple. Qui est là pour soutenir ton œuvre. Je demande, Seigneur, que tu reçoives ces offrandes de leurs mains et bénis-les en retour au centuple, au nom puissant de Jésus. Amen. Comme musical, aidez-nous rapidement. Alléluia. Zakata la bracadia. Zekata la bracadia. On dit les miracles vont te suivre durant toute ta vie. C'est ce que la chanson dit. Donc danse bien pour que les miracles te suivent. Les miracles vont te suivre durant toute ta vie. Danse pour que les miracles te suivent. Danse pour que les miracles te suivent. Danse, danse seulement, danse. De Jésus, que les miracles vous suivent réellement au nom puissant de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, comme je le disais tantôt, nous sommes à la fin de ce merveilleux culte et c'est aujourd'hui le dernier dimanche de l'année 2023. Alléluia. Le Seigneur nous a bénis dans cette maison avec beaucoup de messages. Alléluia. J'ai donné de grands thèmes, des thèmes authentiques. Certains ont noté. Mais pour vous qui n'avez pas noté, nous avons tous les messages sur YouTube, sur Facebook. Tapez seulement Church of Elders of Christ et vous allez trouver notre page YouTube. Et tous les messages sont là-bas. Prière,
les veillées de prière, les requêtes de prière sont là. Priez beaucoup. Alléluia. Les thèmes sont là. Priez avec les thèmes. Et Dieu va accomplir sa volonté. Baptisez votre vie de prière. Alléluia. Quand on vient en Christ, on ne dort pas. On devient champion après le combat. Alléluia. Si David n'avait pas tué Goliath, les femmes n'auraient pas chanté David a tué 10 000 et Saül a tué 1000. Il est devenu champion après avoir tué Goliath. Alléluia. Donc il faut savoir combattre pour sortir champion. Alléluia. Alléluia. L'année là, c'est une année qui a été secoué par beaucoup d'événements, beaucoup de tempêtes, spécialement dans la vie de cette église. Mais nous remercions Dieu parce qu'il a préservé son église. Il a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mon église, car moi-même je bâtis mon église. Et nous le remercions pour ce qu'il a fait. Et dans les vies individuelles, il y a eu des tempêtes, il y a eu des persécutions, mais l'Éternel a préservé. Nous lui donnons la gloire. Ah, dis amen. Alléluia. Il a beaucoup fait. Soyons toujours reconnaissants envers lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour porter à l'attention de l'église, nous avons eu des départs au milieu de nous depuis le début de l'année jusqu'au mois de septembre, je pense. Certains de nos frères ont quitté. Certains ont posé des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, je suis un homme de Dieu. Je ne parle pas sur certaines choses. Parce que le Dieu qui a appelé, c'est lui qui connaît ses brebis. Il dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Alléluia.